débuté en juillet 2019 après la signature d'un accord de partenariat entre Widal Foundation et la Fondation Motomo Dikembe. Le projet Aquatap a été inauguré ce dimanche 18 avril 2021 dans la partie est de la ville de Kinshasa, plus précisément au quartier Badara. Il s'agit d'une borne fontaine avec une capacité de production de 50 000 litres d'eau à 50 francs le litre seulement. Doté d'un système bio qui ne pollue pas la nature parce qu'il utilise l'énergie solaire. Pour l'ancienne star du NBA, Motomo Dikembe, c'est un motif de satisfaction. Premièrement, je voulais remercier M. le ministre d'État, Guy Luando, pour son déplacement ici dans cette place. Pour l'inauguration de Aquatap, c'est un projet qui a duré au moins 2 ans. Mais nous célébrons la naissance de cet enfant ici. La population a beaucoup attendu et je suis vraiment très content que beaucoup de nos mamans auront l'accès de l'eau. Prenons la parole, le sénateur Guy Luando Mboyo a, en sa qualité de président de la Fondation Widal, salué ce grand jour. C'est un sentiment de joie et de satisfaction, surtout pour cette population qui va avoir accès à l'eau potable. Merci à la Fondation Mutombo et à tout le monde. Et ce n'est qu'un projet pilote, ça va se dupliquer à l'intérieur du pays et dans d'autres provinces pour que la problématique d'accès à l'eau soit résolue. Sachez par ailleurs que 500 kits de ce type sont attendus dans les prochains jours pour un déploiement sur l'ensemble du territoire national avec des terrains de basket et de football à côté de chaque borne fontaine pour participer à l'encadrement de la jeunesse, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation.